Cracovie, en Pologne. Il fait super caillant et on vient d'arriver à l'hôtel et là on va aller découvrir le centre-ville. Ahora y con alguien lo puedan traducir. El día de hoy hicimos 15 horas, 16 horas en camión, 4 paradas más o menos, y llegamos al hotel y empezó a llover. Dejamos las maletas y salimos. Algunos nos llevamos la sorpresa que la moneda acá es el... ¿Cómo se apela the coin here? ¿La moneda? Zloty. Yo pensaba que eran euros, pero pues son Zloty. Y ahorita nos hemos encontrado visitando lo que es la ciudad. No sabemos dónde desayunar porque no nos decidimos. Y ahorita hace un poco tiempo tuvimos un encuentro con las palomas. Fue muy divertido. Thibaut, donne-nous ton ressenti sur la ville. Fait froid. Regarde. Rien, ils sont jaunes. Ah, le retour des cupcakes. Oh oui. Alors là, nous avons actuellement un petit bar à cupcakes qu'on aimerait bien aller. Mais qu'eux, ils veulent pas parce qu'ils ont envie de saler et qu'ils ont envie de visiter. Je n'ai aucun avis. Ouais, surtout elle. La gastronomie vie, ça sera salé. J'ai pas faim. Mais bon, ça fait quand même du bien de visiter un peu. Oh, regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Faire un gros zoom, gros zoom. Ça a l'air trop bon. C'est un peu imposant. Oui. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est ça. Et c'est quoi? Le Royal Castle. Le Wawel Royal Castle. Donc ce serait le château royal de Wawel. Ouais, c'est sympa. Oh, c'est énorme en vrai. Oh mon dieu, c'est énorme. Oh, oh c'est beau le mélange des briques comme ça. Les briques blanches et les briques rouges, c'est trop beau. Faudra qu'il fasse des montages parce que je dis n'importe quoi. T'inquiète. Attends, j'ai pas encore interviewé Lucille. Lucille, qu'as-tu pensé de la journée? C'était bien. Et vous, madame Sochi, qu'est-ce que vous pensez de notre hôtel et de la journée? Épuisante, mais enrichissante. Amusante. Intéressante. Intéressante. Et notre hôtel? Très bien. Notre magnifique hôtel. C'est le Dome Tourist Thai PTTK Hotel. Salut Auris. Salut. Donc voilà, on revient de notre journée. On est arrivé vers 8h. Ouais, 8h ce matin. On a eu une petite journée de libre, on a pu visiter, faire quelques activités pour mieux se rencontrer. Ouais. On va rejoindre la petite Clémence en haut. Ouais, voilà. N'empêche le quart, 16h c'était. Ouais, 16h, c'est super long. On se rend pas compte, mais c'est long. C'est long. Mais franchement, ouais. On s'est bien amusé. Ouais, on s'est bien amusé. Il faisait un peu froid. Ouais, mais sinon, ça avait. Ouais, mais c'est vraiment, le Seigneur des Anneaux, la base. Ouais, c'est bien. Puis on a mis de la musique et tout. Ouais, ça s'est bien amusé. Et puis voilà, la petite visite, enfin, le temps libre au matin, ça nous a permis un peu de décompresser aussi, se promener dans la ville et tout. Et puis l'activité de l'après-midi pour mieux se connaître, ça c'était. Ouais, c'était sympa. Ça c'était bien. Ouais. Donc voilà, on vient d'arriver à Auschwitz après une petite heure de voyage. C'est impressionnant quand même. On voit déjà tout ce qui est fil barbelé et tout. Donc on a été divisé en deux sous-groupes. Et c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir filmer, en tout cas ici. Et par contre, il y a juste 2-3 petits soucis. Il y a eu une tempête il y a 2 jours, donc il y a certaines parties du camp qui sont fermées. Donc ça, on pourra pas voir. Et mais voilà.
Donc là, on va monter dans la tour principale de l'entrée ici. On va aller voir un peu le paysage et aussi beaucoup l'intérieur. On va commencer la visite. Donc là, on vient de commencer la visite. On vient de nous expliquer un peu comment fonctionne le camp. À gauche, il y avait les femmes. À droite, il y avait les hommes. Suis-moi. On nous a aussi un peu expliqué comment la guerre s'est montrée, comment le camp s'est développé. Entre 40 et 42, le camp qu'on est ici d'extermination des Juifs, donc avec toutes les chambres à gaz, n'existait pas encore. Il y avait juste l'autre camp de concentration. On ne faisait pas encore d'extermination massive. Et on n'exportait pas les Juifs pour raison raciale, juste pour raison politique. Donc nous voilà dans le camp, on est à l'intérieur. Donc ici à gauche, c'était le camp des femmes, donc ils étaient séparés, ici les femmes, les enfants. Et à droite, c'était les hommes, avec différents villages, enfin un village. En fait, il y avait les maisons qui étaient séparées, donc certaines zones par des barbelés, et ça fonctionnait tel un village isolé en fait, un seul et même village. Donc là, on nous a expliqué aussi que le camp était en train d'être rénové, que c'était pas si cher que ça parce qu'en fait ils utilisaient des produits de la région, donc des briques, du bois d'ici, et que les ouvriers qu'ils utilisaient, bah, c'était les prisonniers. On va essayer de prendre des photos et de filmer un maximum, mais on ne peut pas filmer la visite guidée. Donc on va essayer de faire à chaque fois des apartés comme ça où on va expliquer un peu ce qu'on nous a expliqué, c'est très logique à faire, pour au moins donner un maximum d'informations. Voilà. Donc là, on vient de visiter une baraque de concentration. Donc, on nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Il y avait trois couchettes superposées l'une sur l'autre. On pouvait mettre 8 hommes à chaque fois dedans. Donc, comme il y a derrière, on peut en montrer une. On a particulièrement tout fait en bois. Le sol était en terre battue et il y avait des ouvertures qui faisaient rentrer l'air. Donc ça refroidissait toute la baraque. Il y avait deux cheminées principales pour réchauffer les prisonniers, mais avec les ouvertures, forcément, ça n'équilibrait pas forcément. On nous a expliqué aussi que les prisonniers n'avaient qu'un seul vêtement, donc un pour travailler et un pour dormir. Donc souvent, ils mouraient de froid la nuit et gelaient. Et officiellement, sur le papier, c'était de cause naturelle qu'ils mouraient. Souvent, en hiver, comme les journées se finissent tôt, ils commençaient vers les 4h du matin. Donc il faisait noir, il faisait 10-14 heures de travail physique toute la journée. Il y en avait qui mouraient pendant la journée, mais ils étaient vite remplacés par les nouveaux trains qui arrivaient. Et ils revenaient le soir alors qu'il faisait encore nuit. Et ils ne pouvaient même pas se changer, donc souvent ils lavaient leurs vêtements, mais ils gelaient avec la nuit. Et ils étaient remplacés le lendemain. Donc là on vient de nous expliquer que Auschwitz 1, donc l'autre camp, celui de concentration, était un camp de propagande, donc ça veut dire qu'ils rassemblaient les familles, ils les mettaient ensemble, ils les laissaient habiller avec leur habit civil, ils ne leur rasaient pas les cheveux, ils leur donnaient à manger pour pas qu'ils aient l'air tout maigres. Ils ont aussi dit de respecter un maximum le camp ici, parce qu'ils jetaient les cendres des juifs et des prisonniers qui étaient brûlés, et donc qu'ici c'était un peu comme un cimetière très très grand. Donc ici on revient d'une des baraques, c'était les latrines, donc il y avait plus de 200 trous et tout le monde devait... Ils avaient un temps limité en tout cas pour aller faire ça. C'était quelques secondes je crois, pas beaucoup, et ils défilaient les gens à la file à Vienne, par paquet, parce qu'en fait il y a une porte devant et une porte derrière, donc c'était vraiment à la chaîne qu'ils allaient. On nous a aussi expliqué que comme les SS avaient peur d'avoir des maladies, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de maladies qui se transmettaient par des insectes, donc aussi par les poux, ils n'entraient pas là-dedans. Donc dans ces moments-là, que souvent les prisonniers s'échangeaient des informations secrètes pour essayer d'en donner au gouvernement afin de gagner la guerre. Ils expliquaient aussi qu'ils n'avaient pas droit à la douche. Et donc toutes les 5 semaines, ils avaient le privilège de la douche, une fois toutes les 5 semaines, donc c'est vraiment rare. Et à ce moment-là, ils s'occupaient de leur raser les cheveux et
de vérifier si tout va bien au niveau des maladies pour éviter qu'il y ait des contaminations dans le camp. Donc on nous a expliqué que quand les trains arrivaient, donc là-bas, les gens descendaient et ils étaient sélectionnés par des docteurs nazis qui décidaient que soit ils allaient mourir ou soit ils devenaient prisonniers. On a aussi ici derrière un petit bassin rempli d'eau, une petite piscine d'eau quoi. Avec beaucoup de fossés ici, tout le long, il y a des fossés. C'est pour éviter les inondations et les bassins, c'est pour éteindre les incendies en cas qu'il n'y en ait un. Donc ici la guide vient de nous expliquer qu'il y avait les deux chambres à gaz. Donc ici on a les deux ruines. Elles étaient identiques et symétriques. Ici il y a un monument qui n'était pas dans le temps là, donc c'est tout ce qui est escalier et taille de pierre. On nous a expliqué aussi que les trains venaient la nuit pour minimiser la panique, parce qu'ils avaient fait des tests pendant la journée, mais ça rendait moins bien, enfin en tout cas ça fonctionnait moins bien. Ils chronométraient à chaque fois le temps, donc le temps qu'ils avaient pour choisir qui ils allaient exterminer, qui ils mettaient en prison, le temps pour venir, etc. Donc tout était vraiment chronométré et structuré. Donc aussi on est devant le monument commémoratif qui a été fait après la guerre pour rendre hommage aux prisonniers qui ont été ici, que ce soit des homosexuels, des témoins de Jéhovah, principalement les juifs, les prisonniers du camp, etc. Donc en tout ici, il y a 23 dalles avec 23 langues différentes pour tous les pays quasiment. C'est écrit en français. Voilà. Donc voici la dalle en français. Donc que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs, de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Ici derrière nous on a un poste de surveillance au cas où que des prisonniers s'évadaient. Si un prisonnier s'évadait, il était très difficile de pouvoir rester longtemps en dehors du camp parce que le code sur votre avant-bras gauche, donc le tatouage, était envoyé à toute la police locale. Puis on ne savait pas vraiment la situation géographique, donc dans quel sens aller, par où, enfin tout ça quoi. Aussi, les gens étaient facilement reparables avec leur crâne rasé, leur peau pâle, et ils étaient fort maigres. Donc ils étaient facilement reparables dans la foule. Et ils n'avaient pas d'autre habit que leur habit rayé non plus. Donc à part aller en ville et en voler, ils ne pouvaient pas faire grand chose. Et ils étaient donc facilement récupérés et ensuite ramenés et tués. Et vous, pour l'instant, vous en pensez quoi ? Attends. Je suis impressionnée. C'est dur. Par... l'étendue de ce camp. Je me suis dit aussi que comme on a rasé 8 villages, ça fait 40 km² pratiquement, j'avais toujours pensé que la population polonaise devait être au courant de ce camp. Mais finalement, peut-être que non, parce que c'est totalement isolé. Voilà, pour le moment, voilà ce que j'en pense. Petite réflexion personnelle. Je pense qu'ils avaient parlé de 80 hectares. 80 hectares. Ou ar, je sais plus. Non, 80 ar ou hectares. Je sais plus, parce que je crois qu'elle avait donné une note en polonais. 80 hectares. Mais je pense que c'était 80 hectares. On pourra avoir l'avis de nos trois vlogueuses ? C'est hyper intéressant. Ouais. T'en restes ici parce qu'on doit pas être près de la. Hyper frais. Mais en vrai, ça touche quand même parce que ouais. On s'imagine. Ouais. Quand on regarde les films et tout, on s'imagine pas que c'est comme ça. Mais quand il y est, c'est perturbant. On découvre plein de trucs aussi. L'histoire qu'on connaissait pas, qu'on nous a pas dit et que là on l'apprend. Et du coup, on n'arrête pas de se dire, c'est dingue, il y a plein de gens qui ont été exterminés, qui sont morts ici, là où on est. Et c'est quand même difficile. Et qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été... Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On s'imagine aussi un peu à leur place. Tu te remets un peu en question, ce que tu fais et tout dans ta vie, les choix que tu prends. Et du coup, voilà. Donc ici, on explique que c'était des entrepôts où on stockait des affaires et des choses. Que apparemment il y avait un grand feu, qu'il y avait des affaires qui avaient brûlé.
Mais grâce à la pluie et à la neige, il y en a certaines qui ont été conservées, qu'il y en a quelques-unes dans un musée. Donc c'était les prisonniers qui amenaient leurs bagages, etc. Ils pouvaient prendre des ustensiles de cuisine, des vêtements, des chaussures, etc. Et après, les Allemands les récupéraient, parfois ils les remettaient en état et les revendaient comme si c'était une chaîne de production. Donc salut tout le monde, nous revoilà, on vient de manger, donc on a été manger dans un petit restaurant sympa. Et donc là, nous sommes actuellement arrivés dans le premier camp d'Auschwitz, donc le camp de concentration. On va visiter les différents blocs qu'il y a, on va essayer de parler un peu de l'extermination de masse des Juifs dans le bloc 4 et 5, je crois. On va aussi visiter le bloc 11, je crois. Et on va aller regarder aussi des sous-sols et aller voir des cheveux humains. Mais malheureusement, on ne pourra pas filmer ni prendre de photos parce que c'est interdit là-bas. Donc ici, on se trouve devant des bâtiments. C'était ici que les prisonniers vivaient, donc les prisonniers polonais. Au départ, c'était des casernes militaires polonaises, donc elles étaient déjà faites avant. Donc ce n'était pas les baraques du deuxième camp d'Auschwitz qui étaient faits par les prisonniers à ce moment-là. On nous a expliqué qu'après la guerre, les prisonniers polonais appartenaient maintenant aux soviétiques et que c'est environ un an après, ils sont revenus ici, ils sont venus vivre ici, donc les prisonniers polonais, et à chaque fois ils ont décidé d'en faire un site mémoriel, donc de tout protéger pour essayer de faire passer les informations, de retrouver des documents, etc. Et maintenant, à chaque fois, les directeurs, c'était des personnes qui étaient dans les camps ici, qui sont devenus directeurs et que maintenant, il se passe le flambeau, si je puis dire. Bon, là, nous sommes actuellement au 12e directeur, où ce n'est pas un prisonnier, cette fois-ci, parce qu'ils deviennent un peu vieux, les gens. Et donc, c'est pour ça qu'ils venaient faire les visites et que c'est toujours en marche maintenant, et qu'on a réussi à conserver le premier camp d'Auschwitz. Donc ici on revient de la chambre à gaz, on n'a pas pu beaucoup filmer parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup de bruit et pas filmer la visite guidée. On essaiera de vous mettre des photos. On a pu voir par où passait le gaz et comment et de quelle taille était le camp. La chambre, pardon, excusez-moi. Donc ici on est derrière la chambre à gaz, on est devant les poteaux d'exécution, donc c'était ici que les gens étaient exécutés. Rentrer dans la chambre à gaz parce qu'elle avait une contenance de 800 personnes et quand il n'y en avait pas assez, donc il y avait trop de personnes, et ben on venait faire une file et on venait les exécuter là. Donc le général en chef, Rodol, j'arrive pas à le prononcer, a été exécuté ici par le choix de la prison pendant qu'il est retrouvé en 1949, si je me rappelle bien. Attends, vas-y, mets-toi dedans. On dirait un champignon. Oui, un petit bâtard.